chers amis mélomanes. L'ambassade de France en Roumanie et l'Institut français soutiennent et coopèrent avec le Festival Enescu, qui reçoit pour chaque édition de très grands musiciens du monde entier, dont de nombreux Français. Et je suis justement avec l'un d'entre eux, Jean-Yves Thibaudet, pianiste concertiste, qui a participé de très nombreuses fois au festival et qui a ici une mission particulière, celle de représentant spécial pour les industries culturelles et créatives françaises. Mais cette année n'est pas l'année du festival, c'est l'année du concours que la France soutient également. Je suis en effet un fidèle du festival, très attaché à la Roumanie et à Georges Enescu. Je trouve que les concours sont très utiles et dans mon expérience personnelle, cela m'a fait travailler, faire beaucoup de progrès. Et en plus, les concours sont des stimulateurs de talent, donnent une grande visibilité aux candidats et peuvent servir de tremplin à une carrière. La pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la culture et le spectacle vivant et a entraîné l'annulation de nombreuses manifestations artistiques, festivals, concerts. Malgré tout, le concours aura bien lieu cette année sous une forme adaptée avec des épreuves de qualification en ligne, puis des demi-finales et finales en présentiel en mai 2021. Nous espérons que le public lui sera fidèle et assistera nombreux à ces épreuves où se sont inscrits 272 candidats, dont 13 Français. Le concours s'est adapté à la pandémie, mais il est bien là et c'est un signe de continuité, d'espoir et de résilience. Nous lui souhaitons bonne chance pour cette édition particulière. En effet, il a fallu s'adapter à ces conditions, être flexible. Et j'ai dû moi-même découvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles technologies, comme par exemple faire des concerts avec un public virtuel ou enseigner par Zoom et FaceTime. Alors, tous mes meilleurs vœux au concours Enescu, à mon ami Mihai Constantinescu et à tous ses participants.